Eh bien bonsoir à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour une soirée de stream sur Albion. On maîtrise enfin le jeu à la perfection avec Waza qui va nous rejoindre juste après, et avec la guilde des papinodistes, nous avons beaucoup de boulot ce soir. Je suis donc aux commandes de Frigiel, mage de feu avec son nouveau bâton T4. Dans la guilde du coup des papinodistes, vous avez le logo juste derrière. Là, mes statistiques sur la droite, c'est la richesse pour l'instant, vous voyez ça, montant en argent que ce joueur a en ce moment, 62 000 pièces d'argent. Et on va rejoindre du coup le monde et la capitale notamment. J'étais en quête du coup d'une nouvelle armure de puissance T4 vu que tout est par palier dans le jeu. T1, T2, T3, T4. Actuellement je suis en T3 et je comptais faire du T4. Pendant que Waza est en donjon, nous allons d'ailleurs le rejoindre en vocal. Mon cher Waza, bonjour à toi, bonsoir. Salut, comment vas-tu? Oui, bien et toi? Ça va très bien, je suis en donjon, je suis occupé, désolé. Et oui, j'ai prévenu. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. J'ai commencé un donjon à 5. Et du coup, on le fera tout à l'heure. Moi, je suis pour en refaire un. Oh, le cours de l'or augmente. Le cours de l'or augmente. Je suis surveillé ça. Tu sais que j'ai envie d'investir, mec. J'ai envie d'investir dans de l'or. Saisir la quantité. Imaginons que je mette 10 000 pièces d'argent. Alors, on se les fait tous. Vas-y. Acheter de l'or. Fais le boursier pendant que c'est la merde de mon côté. 1000 or égale. Oh, ouais, non, j'ai pas envie de faire le boursier. Avec 5. 1000 or égale combien? Attends, 1000 argent, ça fait combien? Non. Pour acheter 1000 or, il faut 69 000 d'argent. C'est exactement d'ailleurs la somme que j'ai. Ah non, j'ai 62 000, j'ai un petit peu surestimé mon solde. Bref, évitons de perdre tout notre argent en bourse. Enfin, je sais que ce sera pas de la perte, mais au final, ce sera des gains tellement faibles que ça m'intéresse même pas. Donc, Ah, j'ai envie d'investir un peu. Tu sais quoi, je vais investir dans 500 or. Allez. On va tenter. Je pense que le mieux, mec, c'est que là, je me mute, je finis le donjon et. Ok, en attendant, tu fermes ton T4. Ouais, si tu veux, oui. Je pense que le mieux, c'est ça. Alors, on je vais. Tout à l'heure. Les amis, je vais acheter 500 or pour 34 000. D'argent. 69 du coup. Ah ouais. Ah ouais, ça coûte un peu plus cher d'acheter de l'or que ça se revend finalement. Ah, ça vaut pas le coup au final. Je sais pas si ça vaut le coup. Ça veut dire qu'il faut. Quand vous achetez de l'or, il faut attendre du coup que la valeur soit de 69 pour le revendre. Oh non, et tant pis, on laisse tomber. Trop complexe cette histoire. Allons du coup dans l'île de Guild pour améliorer notre équipement avec toutes les ressources que j'ai récupérées. Voici l'île des papinudistes. On sortira une vidéo demain ou ce week-end d'ailleurs pour que vous puissiez comprendre un petit peu le système des guilds et peut-être potentiellement nous rejoindre si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, voilà. Ah, et j'ai un dernier code à offrir ce soir, tiens. Faudrait me faire penser. Bon, je suis sûr que vous allez me faire penser. Pour l'instant, fabriquons du coup quelques ressources. Du coton. Voilà, du tissu. Joli tissu. J'espère que c'était ça qu'il fallait que je fabrique. J'ai même pas vérifié en fait, pour être honnête avec vous. J'ai peut-être fait une bêtise. On va aller voir ça tout de suite au niveau du PNJ des mages. Je vais activer le chat de guild en bas. Vous le voyez pas parce qu'il y a ma webcam devant, mais voilà, comme ça, moi je peux surveiller un petit peu ce que disent les gens de la guild. Du coup, moi mon but en fait c'est de fabriquer un max de stuff T3. Ouais, si c'est bon. Ça demande du tissu propre. Du tissu propre, j'en ai 73. Du coup. Je peux en faire combien en max? Je peux faire 9 casques au masque. Donc on va commencer par en faire 5. Et ça demande quoi comme ressource? Ça demande 2 cotons, 2 lins et un morceau de tissu. Et du morceau de tissu, j'en ai encore 121. C'est des lins, du lin dont je manque. D'accord. Allez, c'est parti. Faisons 5 casques. On va essayer de s'entraîner pour pouvoir fabriquer. Enfin, porter un casque. Non, fabriquer, c'est ça. Je sais plus si c'est fabriquer ou porter. Fabriquer, ouais. Un casque de niveau T4. Donc là, vous voyez, j'ai fabriqué du coup quelques casques. Je vais les étudier pour gagner des points dans la compétence de casque. Ce qui va me faire plus 600. C'est tout? C'est bon, j'ai fini, j'ai gagné. Déjà, t'as fini, ça y est. On a one shot le boss, ouais. On n'a pas wipe. Étudier. Et tu auras un objet. Plus 600. 26%, faut encore que je fasse un autre casque, je pense. On va essayer. C'est nice. Mec, il y a 800 personnes à l'immerse. Dans la capitale? Ouais. Oh mon dieu quoi. Bon, tout ce que j'ai fait c'est farmer mes tirs. Yes. Hop. Je peux maintenant fabriquer un casque T4. Nice. Tintadam. On va faire pareil pour les bottes. Je peux en fabriquer combien? Je peux en fabriquer 3. C'est parti. Non, je joue pas à Overwatch, le programme a changé puisque hier j'ai joué à Overwatch. C'est vrai que je l'avais pas annoncé, j'avais oublié quand le programme n'avait pas été modifié depuis. Mais en fait on a inversé le programme entre hier et aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. 240, 120. Et là, on est à 16%. Du coup, il me faudrait du lin. Alors, soit on va l'acheter
à l'hôtel des ventes, on va le farmer un peu. T'en as du lin, toi? Non, j'ai rien comme. Tout ce qui est coton, je suis à zéro. Ah. T'en avais Moi, pas ça, farmé c'est un petit pas. peu tout à l'heure, il me semblait. Ouais, mais j'en ai pas. D'accord, tu l'as donné peut-être à quelqu'un d'autre. Je sais pas, ouais, je sais pas. Ou laissé dans un coffre quelque part, bon, c'est pas Je grave. peux même pas te dire parce que je ne sais pas. Est-ce que c'était lui qui voulait ceci? Non, Alors, c'est est-ce pas qu'au lui. hasard, tu peux me résumer le jeu? Alors, des gens demandent le résumé du jeu. C'est un MMORPG dans lequel il faut progresser. Il faut progresser grâce à sa guilde surtout. Et donc la guilde, là on est sur l'île de guilde. Et il y a plusieurs choses à faire, donc on va dire plusieurs activités qu'on peut faire. Donc il y a améliorer la guilde, c'est-à-dire farmer de la pierre qui va permettre d'améliorer les bâtiments. Il y a améliorer son stuff en lui-même. Donc pour ça, il y a deux activités différentes. C'est aller ramasser les composants que tu as besoin pour améliorer ton stuff. Et une autre chose, c'est utiliser ton stuff donc actuel, pas celui que tu vas faire, mais actuel, pour t'entraîner et monter donc en expérience. Et au bout d'un certain moment, ils te diront, moi, t'as bien. Donc c'est parti, par exemple. J'imagine, je suis tier 3, tu as bien fait du tier 3, tu peux maintenant porter du tier 4. Donc voilà, il faut les ressources et le. Comment dire, l'entraînement. Donc c'est les deux choses importantes qu'il faut faire. Est-ce que j'ai bien résumé? Ouais. Je crois. Je crois que j'ai bien résumé. Pourquoi je suis à 33% de charge encore? Qu'est-ce qui est lourd dans mon inventaire? Ah, c'est le tissu C'est ton 4. humour. C'est le tissu. Non, c'est le tissu Punchline. 4 et le coton là, et le chanvre. Voilà, j'avais pas vu que j'en avais plein. Du coup, je sais pas si je vais chercher farmer un peu du lin ou en acheter. Je vais aller voir le prix en fonction du lin, les amis. Allons voir ça. Hop, ça c'est Il mon faudra argent que faire t'es. soit l'un, soit l'autre. Ah ouais, non mais ouais, c'est vraiment l'humour hein, qui prend du truc. Alors le lin, putain mec, le prix du lin il a doublé par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure ils se vendaient à 11, maintenant ils se vendent à 15. Imaginons que je veuille en acheter par exemple 100, combien ça me coûte? Ça me coûte 1500 pièces d'argent d'en acheter 100. C'est convenable. Ça me paraît J'en sais rien. convenable. On va acheter. Dépensons un peu d'argent. C'est bien aussi. Il faut récupérer l'achat. Prendre objet. Nice. C'est bien rangé. Du coup, je vais transformer mon lin. C'est parti. Est-ce que le but d'Albion est d'améliorer son armure? En fait, le but d'Albion, c'est que tu dois progresser dans le jeu pour être plus fort. Donc pour ça, il faut faire plein de trucs. En fait, pour progresser dans le jeu, pour être plus fort, il faut que tu farmes ta guilde, il faut que tu farmes les mobs, il faut que tu farmes les ressources, guilde, mob, ressources, etc. Et c'est un travail à long terme, quoi. Est-ce que la guilde est gagnée en renommée? Putain, oh les gars, avec les donjons qu'on a fait, on a gagné 150 000 de renommée. C'est beaucoup. 150 000 de renommée? Ouais, Comment on ça était à donne de la renommée, 500 000 les et. donjons? Bah, parce qu'on a tué des mobs qui donnent de la renommée. Quand tu tues des Ah mobs, ça donne de la renommée de. Ouais, pour la guilde. ouais? Stylé. Voisin, on va tuer du bois de T3 STP. Ça se trouve, on peut améliorer les bâtiments, on n'est même pas au courant. Hein. Je vois. Hein. Je. Non. Faut pas rêver non plus. On sait jamais, mais non, c'est pas le cas. Mais à l'acheter. En fait, mon bois là, j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant. Je pense que je vais le vendre. Je sais pas si je le vends. Ok, Moi pour besoin de l'instant j'en ai bois. pas besoin non plus. Est-ce que j'ai besoin de bois en vrai? J'ai pas besoin de bois pour mes dagues. Attends, je vais surtout aller voir mes dagues. Est-ce que mes dagues ont besoin de bois? Si mes dagues ont pas besoin de bois, je m'en bats les couilles. Mes dagues, elles ont besoin de quoi? De cuir et de minerai. Ouais, bah je m'en bats les couilles, quoi. Donc je vais tout mettre à l'HDV, tiens. Je vais mettre tout mon bois à l'HDV. Hop. Quel fou. Bah, j'ai pas mal de bois en vrai. J'ai 200 bois T4. Ça va se vendre comme du petit pain, ça. Ok. Je vais les vendre à un prix compétitif. Et Par maintenant, il va rapport falloir suffisamment de tissu pour fabriquer. De toute façon, le soir, c'est le bon moment pour mettre les trucs à l'hôtel des ventes. C'est là où il y a plus de gens qui achètent. Pour fabriquer du coup des robes du compagnon. Là, je peux en faire une. Ça devient plus compliqué derrière après. Ah putain, mais l'hôtel des ventes, on peut l'améliorer, merde, je crois. Ah Je ouais? peux vendre que du T2. Quel enfer. Ah, tu vas voir Attends, la c'est trop. guilde? Quoi? Tu vends la guilde, c'est ça? Bah oui. Moi, je le vends à un prix compétitif. 5. Ah oui, bah attends, je vais voir si je peux Ah l'améliorer. non, 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 je dis de la merde, je dis de la grosse merde, Ça j'ai se de la trouve, grosse hein. grosse merde. Je même pas, j'ai pas regardé s'il y avait l'interface ou quoi. Alors, le T3, c'était 50, je vais le mettre à 40 units, je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vend du lin là dans la vente de guilde? Non. Je vais demander. J'avais pas pensé à acheter la guilde. Ah ouais, moi je vends la guilde. Je vends un prix un peu compétitif, je Ah, vois je ce qui serais se passe compétitif. là-bas.
Ok, nice. C'est pas bête, il est intelligent ce... Oh putain, j'arrive pas à l'écrire. Incroyable. Hein. Heureusement que vous voyez pas le chat, les amis. Parce que là, je galère. Aka Wheels, vous demande un échange. Il a un lin, waouh. Ok. On va mettre à l'unité. C'est la richesse, les amis. Ah, Atadar qui dit qu'il en a 70. Est-ce qu'il est dans le coin? Est-ce qu'il est sur l'île de Guild? On va l'inviter dans le groupe. Comment ça, un? Atadark. Une semaine, confirmé. Ok, j'ai vendu tout mon bois. Ah non, j'ai pas vendu le bois T4. Le T4, il est là. Combien? J'avais pas vu. Échanger. Alors, s'il y en a 70, théoriquement ça se vend 10 unités, ce qui fait que normalement ça lui coûte 700, donc on va lui acheter 400 parce qu'on est un gros radin. Le T4, je sais pas combien ils vendent à l'unité, voilà. Mais t'as une idée. Il y a combien ils se vendent à l'unité ou pas? Ouais, 10 000, ouais. Il me semble. L'unité? Ouais. À l'unité, genre un bout de bois, 10 000. Ouais, il me semble tout à l'heure quand j'ai regardé, ça se vendait dans les 10 000. Je t'assure que quand j'ai regardé, c'était dans les 10 000. Va voir, va, attends, va voir l'hôtel des ventes. Je te crois pas. Bah, je pense que le money, T4. Money, money. Ah, oui, le T4, je vais le vendre. Et si vous dites money, vous êtes banni dans le chat. C'est interdit de dire money. Je vais money. Le vendre full blind à l'hôtel des ventes là-bas. Vas-y, le mec, il va faire du T4, il va le revendre et tout. Je sens que t'as bien le petit côté un peu économiste, optimisateur. Je vais acheter telle ressource, transformer en tel ingrédient et le revendre et tout. Alors, le pain, c'est à 32 l'unité. Je vais vendre. Je vais mettre à 30 l'unité. Moi, je la vends rapidement. Deux robes de plus de fabriquer. Voilà, de toute façon, j'avais pas besoin. J'en suis à combien? J'en suis à 16% de ma compétence. J'ai fait la moitié. Il me faudrait encore. Ah là, c'est que c'est le souci maintenant. C'est qu'il me faudrait du lin. Mais pas que à partir de maintenant. C'est là où ça se complique. Nice. Et maintenant, il me faut aussi du tissu. Est-ce qu'on va farmer ou on fait un donjon du coup? J'aimerais bien avoir le T4 et un donjon quand même. Et pour le T4, faut te faire du tissu, tu m'as dit. Ouais, tout ce qui est morceaux de tissu créé à partir de coton. Parce que là, je vais avoir besoin. Aka Wheels va vous faire un échange. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais il a du tissu. Il en a 20 milliards. Après, je lui avais échangé ma monture. J'avais donné ma monture qui vaut 100 000 pièces d'argent. Ah, il me refait. Enfin, du frigel. Il a encore du tissu, mais le mec il a fermé combien de milliards de tissu quoi? Bon, j'ai plus besoin de tissu maintenant, j'ai besoin de lin encore. Du lin. Je vais tout doucement à cause des milliards de tissu qu'il m'a donné. Ah, tu veux faire un duel? Ouais. Attends, je stocke mon tissu avant. Costaud, ouais. Mon gars il m'a donné 2000 tissus quoi. Ah ouais? Ah, bah c'était rentable de lui donner une monture, il ferme pour moi hein. C'était un placement ouais. En fait. On parle de l'argent ou pas? On parle de 1000 balles. Allez, vas-y. Attends, c'est moi qui dois choisir 1000, vu que j'ai lancé le duel. Misé. Attends. Oh putain, je suis prêt. Oh mon dieu. C'est bon, je suis prêt. Casse-toi. Ah bah alors, je peux pas t'attaquer. Oh, t'as absorbé un truc là. Ah nice. Il a absorbé cet enfoiré. Ah, il prend pas assez de dégâts. Ah, le T4 fait mal hein. Ouais. T'as absorbé quoi au tout début? Au début j'ai un... je sais pas. En fait en plus je m'étais trompé dans mes sorts, j'ai plein de trucs qui me servent à rien. Bon, en tout cas t'as absorbé ma première attaque, ce qui était balèze parce que c'est une attaque sur... qui fait des dots. Fait du 800, oui. Ah, non, okay. T'as absorbé mes dots en fait, du coup je peux pas. Ah, mais non, peut-être que la boule je l'ai reçue et quand la boule en elle-même fait 0, derrière le dot je l'ai reçu tout de suite, tu vois. Je sais pas. Peut-être que le projectile était 0 et qu'ensuite le passif a fait des dégâts. Bon, parce que je pense qu'il y a des sorts, tu sais, qui à l'impact font des dégâts et aussi posent un dot. Enfin, je pense qu'il y a ce genre de délire là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça a fait 0. Mais ça a fait 0, ouais. Ça fait dégâts. Je pense que ça a pas pris les dots. Ça, tu m'as dit? Ouais, je pense que ça a pas pris les dots du coup. Ça a annulé les dégâts à l'impact et je pense que les dots se sont pas posés. Du coup, c'était intéressant. Bien joué. Mais dès que j'aurai mon T4, tu vas voir, ça sera mal barré. Bon, je retourne acheter du lin comme un coco. Ah tiens, le prix a baissé. Très bien. J'ai bien fait d'attendre. Bah, lui, il vend 94, donc je vais lui acheter 94. C'est parti.
Je sais pas c'est quoi le mieux entre augmenter ma vitesse d'attaque ou augmenter... Ouais, je pense que c'est mieux ça, en vrai. Ça sent combien le... Prendre, ouais, duel. Bah, duel, j'ai un sort que j'avais pas, c'est une barrière magique qui renvoie à l'expéditeur tous les dégâts subis et qui augmente vos résistances de 49. C'est-à-dire que je renvoie tout ce que tu m'envoies. C'est-à-dire sérieux que ta boule, je l'aurais envoyé. Ouais. Ah ouais, mais c'est tu m'aurais j'ai fait pas mal. La boule. Je te détruis, mec. La boule. Oh non, j'ai oublié de retirer ce que j'ai acheté comme imbécile. J'y retourne. J'ai tellement d'argent. J'ai tellement. Ah bon, j'ai Waza. T'as combien? J'ai combien? J'ai 120 000. Ah ouais, d'où tu les sortes cet argent? Bah, les montures qui se vendent et là je vais aller vendre mes poulains aussi. Faut que j'aille voir mes poulains quand est-ce qu'ils sont. Ah, faudrait que je fasse mon lead perso, mais ça me prend du temps ça. Et il faudrait que je le fasse. Mais c'est vrai que je préfère largement jouer avec toi et les autres de la guilde et faire des donjons que farmer ma petite île perso tout seul comme un imbécile. Oui, je viens de te traiter d'imbécile parce que tu l'as fait. Tu as farmé ton île perso. Non, prix après 18h, les prix baissent un peu. Ah, c'est quelqu'un qui me dit ça. J'achète ton bois T3, Waza. Y'a Kawes qui dit qu'il t'a acheté du. Attends, il va encore faire. Qu'est-ce qu'il fait à Kawes? Mais non, mais mec, j'en ai trop. J'en veux plus ton tissu 2, j'en ai beaucoup trop. Je peux rien en faire. Et lui, dans 3 heures. C'est l'enfer, il me donne trop de tissu. Il me faut du tissu 3 maintenant. Attends, 2h54, pardon, oui. Oups. 1h25, ok. J'ai pas pris assez de tissu sur moi. 1h25, ce sera combien de temps? Ce sera 23 heures. Ah, qu'est-ce qu'il fait encore là? Il fait des échanges tout le temps là. Pom pom pom. C'est quoi le but du jeu? C'est s'enrichir et contrôler le monde. C'est l'argent. Ah bah voilà, il en a du tissu 3. On va lui acheter 200. Nice. Au donjon, go donjon. Je viens totalement de l'arnaquer, hein, au cas où vous vous posiez la question. Quel bâtard. Je vais acheter un truc 200 qui vaut normalement à peu près 3000-4000. Autour de 4000, ça vaut ce qu'il m'a donné. Ok. Enfin, en théorie, il faut le vendre après. Mais... T'en es où du coup? J'en suis où? J'en suis qu'il faut que je crafte encore 2-3 robes là. Je vais en faire une ou deux. On voit. Et ensuite, il faut que j'aille crafter le T4 en ville, vu qu'on n'a pas encore le bâtiment dans la. Ouais. On n'a rien pu apprendre de cet objet, comment ça? Attends, je t'invite pour le groupe du donjon. Ah merde, j'ai fabriqué un T2 sans faire exprès. Frigel est déjà dans un groupe avec grosse ambiance. N'hésite pas à quitter ton groupe, hein. Enfin, j'ai fabriqué un objet T2, je me suis trompé. Non, j'ai bien mon groupe. Ah, c'est des mecs ultra alors... chauds, c'est la guilde Zerator, là je change de. Ah, y'a un mec qui a quitté la guilde, Artix has left the guild. Ah ouais? Putain, c'est trop nul, il est parti, je l'aimais bien lui. Je l'aimais bien. El famoso. Je peux en faire non, il est mort. Ah, je pouvais encore en faire 5. Oh, ça va, j'étais bien, j'étais large. J'ai dépensé. Bon, en même temps, j'ai dépensé pas mal d'argent quand même. Hop là. Voilà, donc maintenant, on arrive à la phase intéressante où il faut que je crafte du T4. Je te rattrape, hein. Ah, j'ai oublié de faire les livres T4. Attends, T3. Combien ça coûte en ressources les livres? Le livre, ça me demande. Est-ce que tu as beaucoup de cuir raid? Du cuir de T2 tout ouais, court, du T2? Ouais, du cuir T2, t'en as. T2, j'ai 0. J'ai que du T3. Attends, je me trompe. Du T3, ouais, t'en as? Du cuir épais? J'en ai 225 du T1. Ouais, il m'en faudra quelques-uns. En tout cas, il m'en faudra une cinquantaine, je pense. Ça te va? Tu me le vends? Bah, je te les vends. Bah, bien sûr, je te les vends. À un prix d'ami? Ouais, bah, je te les vends 40 pièces au lieu de 50, quoi. Attends, j'en ai un petit peu. Je viens de me rendre compte que j'en ai un peu dans le coffre là. Si. J'invite tout le monde pour le donjon. Tu peux quitter ton groupe s'il te plaît? Allez, je quitte le groupe. Du coup, travailleur du cuir. Nice. Faire du cuir T3. C'est ce guignol là, le travailleur du cuir? Du coup, du cuir red, t'en as plus toi. Mais je crois qu'il y a un mec qui l'en vendait dans la guilde. Alors voyons voir, on a... Je suis DPS, c'est Akai peut heal, Zantu il tank. Toi tu DPS? Ouais, je DPS. Celui qui a mis 200 de cuir en vente dans l'hôtel des ventes là, c'est toi? Non. Présent pour Dungeon. Putain mais Névrine, mes gros clodo de l'espace. Attends.
Je suis le gros clodo qui est... qui a besoin des ressources T2, tu sais. Le mec totalement, totalement à la ramasse. Oh, regardez les amis, on a 98% de la progression de l'aventurier. Du coup, je pourrai utiliser des chevaux T4 bientôt. Putain, il y a tout le monde qui veut venir du coup. Un nouveau sac de l'adepte. Une cape de l'adepte. Keep ça toto là. Mais tu sais quoi? Je pense que quand je serai aventurier adepte, je pourrai fabriquer les bâtiments T4 de la guilde. Ouais, ok. Je pense que c'est ça. Et tu sais quoi, que je suis à 98%. Donc si tu me donnes du cuir 2 là. Donnez-moi du cuir 2. Allô. Bonsoir classe RAM qui rentre du travail. Attends, je te. Attends, t'es où? Bah, je t'échange. Ah, mais t'en as du cuir 2 alors. Bah oui, j'en avais plein. Bah, je croyais que tu m'as dit que j'en avais plein. Non, du cuir 2. Je veux 50 x 40. 50 x 40? Oui. Merde, c'est ça, fait genre, ça fait genre 500, non? Non, pas du tout, non. T'es sûr? Oui. T'es sûr, ça fait pas 500? Oui, je suis sûr. Bah, va te faire 2000. Foutre. Ouais, oh, oh. Attends, tu voulais le vendre 40 ton cuir? Bah, le cuir 2. L'unité? C'est cuir 3. Cuir 3, 40, l'unité, cuir 3. Le cuir 3, tu voulais le vendre 40? Mais tu sais combien il est vendu à l'hôtel des ventes de notre propre guilde là? Vas-y. Il est vendu à 15 l'unité. Bah écoute, t'as voulu m'arnaquer ou quoi? T'as voulu m'adapter? Le mec il a voulu m'arnaquer quoi. Oh là là. Bah ok, bah je te le vends pas alors. Ah, il m'a donné 4 cuirs 2 le mec. Putain, mais lui il filait rien là. Putain, il lui vend 15, mais c'est qui a mis ça en vente là? Skill Toto qui a mis ça en vente. Il va l'acheter, ouais. Qui a mis ça? Il va l'acheter pour le revendre à l'hôtel. Je vais l'acheter, je vais le revendre mec. Il est tellement gros, attends. La baise. Bon, faut que j'achète du cuir de raid là. Je vais en acheter un peu, ça coûte pas cher. Tant pis, hein, personne en a. Vas-y. Toi non plus, t'en as pas là. Mais si, j'en ai. Du cuir raid, c'est du T2, tu m'as dit que t'en avais pas. Ah, mais le T2, mais qui a besoin de T2 encore? Oh ya ya. C'est marqué où l'argent sur l'écran, Free? C'est marqué ici quand j'ouvre l'interface. Là où je tourne la souris là. Ah bah voilà, tu sais combien ça se vend ce que je recherche à Hôtel des Ventes? Ouais. Attends. Ça se vend 6 l'unité. De quoi? Le 2? Le T2? Ouais, le T2. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mais même pas, je veux même pas le cuir raid, moi, je veux la peau de T2, moi. Tu veux la peau crue, telle quelle? Combien ça se vend? La peau crue telle quelle? Ça se vaut plus cher, la peau crue telle quelle, quoi. Ça a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La ressource raffinée se vend moins cher que la ressource qui est pas raffinée. C'est 6, c'est 6 unités, ouais. 30. Cure raid, 6 aussi. T'as vu ça? Ça a aucun sens. Et donc le cuir là que le mec il est en train de vendre. Le cuir T3, il se vend 17, le moins cher, 17. Ah ouais mec, le T3 il se vend moins cher sur l'hôtel des ventes régionales que dans l'hôtel des ventes de guild. Hein. Non, la guild elle est à 15. Il se vend 8 là. En paraffiné hein. C'est du paraffiné dans la guilde aussi. Vas-y, je vais faire con. Non, mais de toute façon, je le garde mon T3. Mec. Je sais même pas pourquoi j'essaie de te le filer. Ah, oh, donne-le-moi. J'en ai besoin. Vas-y, donne-le-moi. Non, mais oh. Casse-toi. Vas-y, vas-y. Reste loin de moi. Ah, vas-y. Y'a un tuto quand on commence le jeu? Oui, y'a un tuto. Ah, vas-y, faut pas chier, donne-moi ton cuir. Ah, allez, vas-y. Mac. C'est à qui tu parles là? Putain, mais gros, mais t'es trop. Tu me fatigues. Akawir, je veux faire un échange avec vous. Putain. Mais t'arrêtes de dépendre de ta guilde là? Il m'a donné encore du cuir. Ah, mais. Akawars, mais gros, mais. What the fuck? Il est trop gentil ce mec. C'est, tu sais que c'est mon. Fuck. C'est le gars de la guilde que je préfère. Merde. Mais il me faut du. Attends, t'as filé l'équivalent de 30 000 euros. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai acheté du cuir 2, mais je crois que ça me sert à rien. Ce jeu est trop complexe. Non, c'est bon, ça me sert. Ah ouais! Ah ouais, d'accord, mais là même pas... Antoine il est en train de te farmer du cuir 2 comme Jaja, je crois. Non, mais c'est bon, bon. Pourquoi? Regarde, il va tout doucement là. Tu sais qu'on t'attend depuis tout à l'heure. Hein. Mais attends, mais tu veux que je vienne T4 ou pas dans ton donjon là? Fais pas chier. Je suis fou moi, comment t'es? Oh, c'est important d'être T4. Moi je veux, c'est go. C'est BHP. Je vais me faire que 3 bouquins là, c'est pas encore ça. Hein. Tu veux m'aider? Tu me donnes du cuir épais, je te dis.
Non, je t'aide pas. Un petit peu, j'en ai pas besoin de beaucoup. Donne-moi du cuir épais, je te les rendrai plus tard. Non, je te les rendrai plus tard. Alors ça, mec, avec toi, jamais. Genre, jamais. C'est bon, t'es large, là. En fait, attends. Je comprends pas ce que t'arrives pas à faire, T4. C'est que ton armure, tu veux la faire? Tu sais, il faut crafter plein de fois l'armure pour pouvoir débloquer le craft de l'armure suivante. Ouais, ça, je suis d'accord. Et alors? Ouais, mec, ouais, parce que le cœur est dans le délire, sachant que ton armure elle est en tissu. Mec, regarde, ouais, le bâtiment. Je t'avais dit qu'il fallait me donner des ressources. What? Qu'est-ce qui... Regarde, clique. Mais pourquoi il... Comment tu peux faire? Parce que je suis passé aventurier. Ah. Mais tu lances toutes les améliores du coup? Bah ouais. Allez, go. Bah, mais pourquoi tu m'as pas mis chef de guild du coup? J'aurais dû plus le faire depuis le début. Mais on savait pas, mec, comment ça fonctionnait. Oh, mais mec, je vais m'empresser de up le cuir. T'as pas besoin de chef de guild, faut être chef du bâtiment. Ah. Ouais, oui, c'est pas pareil. Oh, mais gros, mais mec. Genre, je vais instantanément up T4 le truc de chasseur. Genre, ça va être non, vas-y, fais le truc de mage. Ah non, mais va te faire foutre, mec. Si j'ai récolté du gré, c'est pour faire d'abord les trucs qui me permettent d'en faire. Non, mais par contre, sans déconner, je pense que le plus important dans le délire, c'est d'augmenter le truc de tailleur de pierre. C'est vrai. Je pense que c'est le truc le moins con, là. On est d'accord. Donc là, on vient de débloquer l'amélioration des bâtiments. C'est pour ça qu'on est tout content. Du coup, on pourra crafter des trucs plus puissants sans payer des taxes en ville avec les bâtiments. Ils ont remarqué, les gars de la guilde, ou pas, qu'on avait débloqué tout ça? Pas. J'ai écrit un message qui marque un peu notre heureusité. De l'île de Gordon. De l'île de Gordon. Du coup, maintenant, il faut farmer un max le travertin. Le travertin. Ah putain, mais c'est le travertin, oui, qu'il faut maintenant. Il en faut combien? Oh putain. Ah, il en faut des tonnes du travertin. Oh là là. Ok. On va juste aller voir le tailleur de pierre. Putain, il faut du T4 maintenant, mais ça veut dire qu'on va aller farmer du... Oh là là, non. Oh non. Ça va farmer le travertin. Travertin, j'en ai pas mal en vrai. Hein. Moi, j'en ai pas beaucoup. J'en ai j'en ai pas en fait parce que j'avais pas débloqué la masse, mais quand j'y pense. Tout le monde qui a des blocs de gré, mais il nous faut du travertin, les gars. Putain, travertin, j'en ai combien? Ah, mais yes, je peux up directement le truc de pierre. Bah, c'est bon, je fais la pierre. Ah, et tu sais quoi? Bah, du coup, on pourra transformer le grès en travertin, je crois. Fais la pierre et on va regarder. Je fais toute la pierre. On va regarder si on peut transformer le grès en pierre, en travertin. Attends deux secondes, je te. Ah, mais yes, il y a Antoine qui m'aide. Oh merde, putain. Ouais, je sais pas s'il m'aide pour mettre quoi. T'as heureusement que j'ai fermé du travertin. T'as un mec. Sinon, on serait rendu fort dépourvu. Là, je pense que tu vas quand même accepter à force. De quoi? Il me manque 3 cuir épais. 3 cuir épais. T'es quand même d'accord de me donner 3 cuir épais? Reste loin de moi, s'il te plaît. 3 cuir épais, mon gars. Je m'en fous de ton cuir épais. Voilà. Je te le vends 237. 3 cuir épais. Comment t'as. Ah, mais non, j'allais dire comment t'as transformé. Vas-y, je mets du travertin en échange du cuir épais. Dans le bâtiment. C'est rentable. Non mais... Non, travertin c'est bon. Là déjà ce que je fais c'est pas rentable pour moi déjà. Allez, je mets du travertin là. C'est combien j'en mets? 9. Allez, alors attention. 9, voilà, j'étais sûr t'avais un truc mais tellement nul. Ah, mais plus que 2 cuir épais, y'a AKWS qui m'en a donné un. Plus que 2. Ah. Genre AKWS il en a genre 200, il te les file un par un quand même. C'est ça pour faire genre, hey, je suis trop gentil mais en fait il me les donne un par un. En fait il y en a 200 sur lui. C'est à quoi les niveaux? Bah, c'est pour faire des trucs plus forts, pour progresser dans le jeu, pour faire des armures plus fortes, des armes plus fortes. AKWS il est mort de rire. Merde. T'es obligé, c'est ça mec. Tu peux inviter dans ta guild, me dit le moustachu. Y'a le moustachu qui veut qu'on invite dans la guild. Si je fais stage j'ai une vibe, ça marche? Non, comment on fait pour inviter dans la guild? Tu fais G, y'a un petit plus. Ah, okay. Dans le panneau de attends, base. Attends, y'a quelqu'un qui... Oh mec, il me les a donnés. Oh mon gars. Oh putain. Oh mon gars. Arrêtez de l'aider. Le moustachu. On va sur... Comment on va dans ton île de... Voilà, je l'ai invité. Quelqu'un peut aider le gars dans le chat là? T'es sérieux que quand t'appuies sur la touche R, ça fait même pas répondre automatiquement? Y'a un monsieur. À la grande ville. Pom pom pom. Hey, on est nombreux ce soir, ça fait plaisir. Bonsoir du coup à tous ceux qui arrivent. Si vous avez des questions sur le jeu parce que vous comprenez rien, bah gardez-les pour vous. Attends, il faut quoi? Il faut de la pierre 1 et du... Non, vous 1. Avez le droit de poser des questions. Putain, j'en ai ras le cul de faire avancer cette guilde quoi. Mais moi chef de guilde avant que je m'énerve.
Tadadadam, j'allons maîtriser. Est-ce que tu as du cuir travaillé de T4? Putain, et reste loin de moi, je t'ai dit, tu me casses les... Non. J'ai besoin d'aide. Tu veux pas que je... Moi je suis en train de faire des trucs pour la guilde pendant que... Tu veux pas que je casse toute la baraque dans les donjons là? Ah yes, il a de la pierreté. Hein. Ok, la pierreté pour aussi. Oh putain. Et je suis pas ta poubelle hein. J'ai du bois moi T1. Mais je pense que tout le monde en a. Mais c'est bon, c'est fait, je fais la pierreté. Je m'en fous, je vais le mettre dans les autres bâtiments. Merde, c'est bugué là? Ah, je suis en train de bugger. Laisse-moi me sentir utile un peu. Non plus. Dans le bâtiment de mage là, comme ça je paierai pas mes taxes en faisant mes bouquins là. Je vais aller acheter du grès, du bloc, je vais aller acheter des blocs de travertin. T'imagines? Oh, comment elle est stylée le truc de pierre, mec! Nice. Tu me vois aller acheter des blocs de travertin? Pour la guilde? De façon très. Mince! C'est quoi quand tu fais un geste qui est en rapport avec de l'argent? Genre charitable. Ouais, charitable, ouais, c'est très bien charitable. Voilà. De façon très charitable. Le mec a pété un con complètement. Mais tu sais, je connais pas moi la charité, je cherche les mots du coup. C'est pas un mot que je connais, que j'utilise ouais, d'habitude. Bon, moi le tailleur de pierre, hop. C'est... Moi je suis méga tailleur de pierre, man. Généreux. Ah, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Généreux. Bien joué. Mais il y a un mot encore plus stylé que... Alors, quel est un synonyme de charitable et de généreux? Avec un petit côté genre désinvolte dans le sens du mot. Dédaigneux, je sais pas. Non, dédaigneux, c'est quand t'aimes pas les gens. Putain, bah j'avoue, ouais. Il est classe, et... le tailleur de pierre. Ah, mais c'est pas du tout lui. Ah, oh, j'avoue, il est classe. Oh là là, mec. Et là, c'est chaud, hein. Travertin. Gré. Alors attends, je comprends pas. Mais nice. Tu peux fabriquer... On se le fait ce donjon ou pas? Mec, tu peux fabriquer du travertin avec du grès non transformé. Tu savais ça? Moi, ouais, c'est la transmute là. Ouais, la transmute, ouais. Putain, il faut 6. Bienveillant. Altruiste! Oh, c'est ça, il a trouvé! Amusilo! Mon gars, tu mérites d'être subscribe. Dans le film et tout. Altruiste, c'est ça le mot que je cherche tout à l'heure. Putain, bordel. Bon, du coup, je m'en perds un peu dans l'histoire là. Attends, je peux devenir chef de tous les bâtiments au pire? Non. On fera ça plus tard au pire. Bon, go le donjon. Attends, je te dis que je suis pas de T4 encore. J'ai besoin d'améliorer. J'ai pas envie de payer mes taxes, tu vois, comme un guignol. Donc, j'ai besoin d'améliorer le bâtiment des mages. D'accord. Du coup, j'ai besoin de 300 blocs de travertin. Jamais on fait ça. Je vais voir combien ça coûte. Souhaite-moi bonne chance. Gros, je crois que c'est un truc comme 110 l'unité. Pendant 300, non. Tu vas être douillé genre 30 000, je crois. Non. C'est un truc comme ça, gros. T'imagines? Alors. Tout ce qui est bloc de travertin, moi je dépense. Oh mon gars, alors le travertin brut, ça se vaut 50. Et les blocs de travertin, ça se vaut 210 l'unité. Ah oh, mais go donjon. Ah, mais non, mais je veux pas monter. Bah tant pis, je vais payer des taxes. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais payer des taxes. Du coup, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? J'ai de quoi me faire le casque et les bottes. Et je ferai le torse sans me prendre des taxes, du coup. C'est honnête. Je suis dans mon jardin, là. Franchement, c'est honnête. En attendant, je fais des duels avec les retards. Je crois pas avoir besoin de ça, là. Je vais prendre la moitié, dans le doute. Qui veut Dudu? Ah, Zanchu, viens Dudu. Le buff il pèse combien? Poids 15 kilos il fait. Quand je le mets dans mon inventaire. Est-ce que t'as toujours le buff avec toi dans ton inventaire? Ouais, non. Non? Je vais le garder avec moi dans l'inventaire. Je pense que c'est rentable. Ça te prend que 7% de charge. Et tu peux gagner genre 50% de charge en ayant sur toi. Je sais pas si c'est très clair, mais je pense que c'est rentable. Nourriture 1%. Oh mon gars, faut que j'aille vite avant qu'il ait plus de nourriture le PNJ. Sinon, je l'aurai dans le. Et je pourrais pas faire mon T4. Faut falloir nourrir le PNJ à sous la carotte là. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Nice. Putain, y'en a encore un autre bâtard qui a le même stuff que moi. Ah non, y'a une lance là. Lance du compagnon.
Ah merde, j'ai merdé. Ah non, c'est bon. Ah non, j'ai merdé. Tu peux me donner 4 cuirs travaillés. Allez, stop, mec, c'est pour faire du T4 là. Pas chier. 4 cuirs travaillés. Ouais, 4 cuirs travaillés. Ah putain, t'as de la chance. Tu sais que fabriquer un stuff ça me coûte 550 places d'argent. Non, mais mec, j'ai douillé 10 fois plus que toi. Merde. Attends, mais de toute façon, attends, il t'en faut 4, tu m'as dit, piles. Ouais, 4 piles, ouais, exactement. Je pensais les avoir d'ailleurs, je vais peut-être vérifier quand même avant de te les taxer, mais... Je vais vérifier rapido. Sinon, je suis dans la capitale, donc... Ah oui, mais on pourra pas s'échanger dans la capitale. Ouais, bah viens, ouais, je t'attends. 700. Donc là, je viens de faire 2 pièces T4 déjà, hein, plus le bâton que j'avais déjà. Mais tu les portes, ou tu peux pas les porter? Si, je peux les porter maintenant. Ok, tu peux les porter, nice. Est-ce que j'ai le... cuir T4 ici. Il me semblait en avoir un peu. J'ai du T3 là. Ah, c'est bon, je les ai. Attends, je t'ai dit que c'était quoi qu'il me fallait? Du cuir T4. Ah ouais, travailler. Tu l'as en mode travailler, toi? Oui, du cuir T4. Bon, tu l'as, alors, vas-y, c'est parfait. Parce que sinon, j'aurais dû payer une taxe pour le faire. J'arrive à te le chercher, du coup. T4T. Bah, moi, je l'ai pour le faire, j'ai taxé, moi. Ouais, t'as taxé un peu. Tiens, je te l'échange, bouge pas. Vas-y. Voilà, là, cet homme. Quel altruiste, on apprend des mots ce soir. Ouais, moi j'ai plus pitié en fait. Bon, qui veut du dû là? Débris, viens du dû. Je suis presque prêt, hein, en vrai, là. Dans une minute, on part. Si tu veux tout savoir. Nous allons faire du don. Taxe à 99%, c'est chaud. Ouais, dites-vous que nous, dans la guild, on a mis 20% de taxe, quoi. On a mis combien? On a mis 20%... non, même dans 10%, j'ai fourché. Ah, t'avais mis 5%, t'as mis 5% même. Pour les amis, toi, t'es ami. T'es mon ami. Pour tous les gens qui sont dans ma liste d'amis, c'est 5%. Nice. Je peux même mettre 0 pour de taxe pour toi, si tu veux. Et voilà. Bon, c'est de qualité classique, par contre. Oh, y'a des lags. Ah non, j'ai un casque de qualité acceptable. On protège un bouclier énergétique pendant 10 secondes. Non. Ok. On est 60% dans les deux pour les voyages à récolte d'énergie. Il y a des lags, je crois. On peut être amis, free. Ok. Qui c'est qui dit ça? Ah, y'a le moustachu qui est là. Yo. Ah putain, mec, je suis moche, du coup j'ai un casque bleu et une armure verte. C'est quoi? Pourquoi déjà j'ai ça d'ailleurs? Ah oui, parce que j'ai un petit souci de tissu. De type tissu, je n'ai pas suffisamment de tissu, voyez-vous. Bon, on va faire le donjon là. Pour fabriquer ceci. Allez-moi dans le groupe MDR. Allez, ouais, on peut faire le donjon, ouais, vas-y. Bienvenue dans le monde magnifique d'Albion. Tout le monde est très content. Je peux DPS JPP. Ah, dans ce cas-là, on tâche Nevry. Mais non, on y va comme ça, allez. Tout le monde est prêt. Udada. Allo. Allo. Alors Frigel est prêt, tu vas à la ville, t'as fini tout ton délire là? Ouais, j'ai fini. Ok, alors tu vas dans le portail à la ville. Non, genre je m'en ai inventé. Allez oui, bah allez, le on va s'inscrire. Portail à la ville, c'est parti. On va s'inscrire dans le portail à la ville. Donc vous prenez la truc là, et on y va. D'ailleurs, il faudrait peut-être les avoir en vocal, non? Je sais pas. Frigel, je suis un peu mieux que ça. Je vais donc quoi du coup? Là dans le portail bleu. Expédition mercenaire de l'adepte, palier 4. Ouais, en groupe. Attends, il y a deux petits. Tu sais, il y a deux. Ouais, en groupe. Donc tu vas. Rôle offensif. Et tu mets ton rôle. Si vous finissez, vous recevrez 3000 pièces d'argent. Et t'auras une bonus parce que c'est la première fois que tu fais. Et le saut royal de l'adepte. Ok. Je m'inscris là ou ça nous Ouais, vas-y, inscris-toi. Vous êtes déjà inscrit à une expédition. Voulez-vous annuler votre inscription actuelle? Oui. Bah non. Prête. Coup, ah, moi aussi elle est prête. Je clique où maintenant que c'est prêt? Fais start. Start en haut à droite. J'avais pas vu. En haut, en bas, à droite. Ouais, à droite quoi. Ok, tout le monde a l'air inscrit. Nous partons en donjon!
Voilà, je chante mal. Oh, alors, est-ce qu'on a réussi à garder tout le monde dans le délire? Oh putain. Bon, je suis avec toi déjà. Bon, on s'en fout, je suis avec toi, c'est le principe. On est. On est 4. Ouais, il nous manque un tank. Tu es 8 épéistes. Oh, il est là. Oh, on a Zantu qui est là, nice. On a 3 membres de notre guild, c'est cool. Et on a des randoms. Allez, Zantu, on croit en Watt. Oh, y'a un mec qui vole là. Oh, c'est un papinudiste volant. Nice. Alors, est-ce que tu veux que je t'explique un peu le donjon ou que je l'ai fait ou tu veux découvrir? Oh, t'inquiète, je vais découvrir. Ok, je te dirais juste si jamais il y a des trucs qui m'avaient surpris, ouais, qui sont un peu dangereux. Un peu dangereux, exactement, c'est ça. Ça, c'est plein de petits mobs, c'est de la. Des trash. C'est de la... Ouais, c'est des trash mobs, c'est du trash loot. Ah, il tank bien, hein, notre tank. Ah, il tank un mob à la fois, quoi. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, oui, c'est des gens qui lootent des trucs. J'aurais dû prendre un AO là. Ou non, mais les trash loot, enfin les trash. Ouais, ils vont pas durer très longtemps, j'imagine. Mais même le boss à la fin, y en a pas, genre c'est. On est large, quoi. Donc là, on s'est inscrit en groupe pour faire un donjon. Bah, en fait, on s'est pas inscrit en groupe, non. Y en a qui ont pas mis trop de temps. Bah, on s'est quand même inscrit en groupe, mais tout le monde est pas là, quoi. Ouais, c'est bizarre, hein. J'ai pas trop compris comment ça fonctionne. Ouais. Et j'étais en train de. Avant de cela, j'étais en train de fabriquer du T4. Et. T'as tout ton T4 là? Non, il me manque du tissu pour le plastron. Ah merde. Du coup, je suis désynchronisé sur le gain de compétences. Ah oui, ouais. Tellement moche. Tu sais que les compétences, elles montent plus tu tues des ennemis. Bah du coup, oui. Ma compétence casque et bot, elles vont monter, mais pas ma compétence plastron. Non, ça dépend pas du stuff que t'as, je crois. Si. Pas de conneries. Si. Ah ouais? Ouais, j'ai vérifié. Attends, les trash en premier. Petit mob. Bien joué. Allez hop, je commence à focus l'archer. Nice. J'ai l'aggro de l'archer, c'est bon. Ouais, je vois ça. On met du gros dégât là. Plus de mana. Paf, bien joué. Alors, oh, il faut que tu fasses très attention, ils ont une AOE qui font très très mal. Ouais, je te le dis. Donc là, les épices, c'est eux là, ceux qui arrivent sur nous. Regarde, ils vont avoir une AOE, une sorte de cône devant eux, voilà, il faut pas rester là-dedans. Regarde comment il se fait défoncer Zantu là. Ouais. Ah, mais il s'est fait interrompre, pas mal. Ah merde, attends, j'avais pas vu, pardon. T'occupes des trash, nice. Non, je m'occupe de l'épice. Je crois que j'ai pris la gros d'air. C'est bon, je l'ai pris. Bien joué. 36 pièces d'or, il a looté le coco. Ah, mais le pièce d'or, ça farme beaucoup hein, dans le donjon. Ouais. Oh là là, les 500 que t'as mis, quoi. Paf. Putain, on peut pas reculer un petit peu là? J'ai pas envie d'aggro le. Oh putain. Et voilà, oh, et voilà, et ça, vous allez vous faire défoncer. Mais non, t'inquiète. Ah putain, t'as pris l'aggro de l'archer aussi. Il est mort. C'est bon, je l'ai eu l'archer. Ouais. J'ai l'autre archer, c'est bon. Au niveau tanking, on est bon là. Allez, Zantu dans la haut. Oh, c'était un sommet instantanément. Bien joué de la part de Zantu. C'est incroyable, les amis. C'est intense comme combat. Raza qui tank le petit squelette. Ah, moi je suis au calme, moi. Tout va bien. Moi j'ai des sorts de régène solo et tout, je suis comme chez Bibi quoi. Encore un là? Ça s'enchaîne. Oh merde, j'ai pas vu. Ah, Vifi dans l'OE, c'est bon, ça a esquivé. C'est retourné d'un coup là. Alors Free, fait trop de dégâts. On a le tank. Tadam, je l'ai tué. Et là, pour ce qui est des trash en premier. En fait, les trash font autant de dégâts que les gros mobs. Attends, mais j'ai un gros cul là. Ouais. Pfiou. J'ai eu peur, j'allais mourir moi. Ouais. Il fait peur avec sa grosse épée lui. Bon, en vrai, c'est son AO, c'est sa zone au sol. Tarde. Ah. Regarde, l'archer avec nous, il s'est barré, il est sur île. Bah, elle a raison. Ah merde, j'avais pas vu là-haut, pardon, je regardais pas. Ouais, t'es resté dedans. C'était pas ouf du coup. T'es resté dedans. Là, on a fait un quart du donjon. Ouais. Yep.
Go! Ah, c'est du trash. Ah, c'est pas mal là où est l'archer là. J'ai encore ouvert l'interface, c'est pas exprès. Ouais. Alors, le scorpion là, le mob qui arrive, il est immobile, mais il grappe des gens vers lui. Voilà, ouais, comme tu ça. Les trash avant. Et ensuite, il fait des AO nuls. D'accord. Donc, occupe-toi des trash mobs, j'occupe du gros là. Voilà, tu vois comme il est relou. Ouais, et ensuite, il faut bouger. Dès qu'il te grappe, ouais, faut bouger quoi. C'est stylé comme mob ça. Bien joué. On a compris le fonctionnement. Ok, après ça, normalement. Après le boss final, tu verras, il y aura un petit truc à dire. Ouais, j'arrive. Ok, parfait. Attention à là-haut. Je suis pas dedans. T'as rompu. Toi, des petits mobs, oublie pas. Ouais. Ok, nice. Bon, ils sont morts, j'ai l'impression. Ah non, y'en a un qui est encore là. C'est qui est dans un bloc de glace? La Wi-Fi, il est dans le bloc de glace, tout même. Attention, et Zantu dans la haut, paf paf, il se fait défoncer, Zantu qui va mourir. Oh là là, mon gars, il a frôlé la mort. Hein. Bah, il est pas très fort. Hein. Ouais. Le papy nudiste là, c'est plus un papy qu'un nudiste. Ouais. Hein. il va aggro à droite. Ouais. Zantu, il va aggro. Zantu, casse-toi. Oh là là. Zantu. Et il a aggro, oh c'est l'aggro de Zantu. Je propose de retirer ce mec de notre guilde. Mais tu sais que je me suis fait taper ça, en fait le donjon que j'ai fait tout à l'heure, c'est que quand t'es arrivé, ouais, trop tard là, j'avais un mec genre pire que ça hein. J'avais un gars gros, c'était gros tarte que j'ai jamais vu. Il faisait peut-être exprès aussi. Non, je sais pas mec. Je veux looter l'argent mais je suis en combat, je peux pas. Mais oui, l'argent, mais de toute façon c'est pas pour tout le monde hein, l'argent que tu lootes. Ah non. Genre mince. L'argent c'est plus en fait la besogne qu'autre chose quoi. Mince. Espèce d'avare ouais. Je pensais que j'avais une petite part en plus parce que c'est moi qui ai ramassé les piécettes quoi. Ah merde, je suis sur là-haut, quelle merde. Pourquoi je prends des dégâts là? Merde, c'est l'archer là. Merde, c'est pour outil d'archer qui me tape dessus là. Nice, hop, oh, punaise. Nice. Putain, mais Zantu entre les AO et les. What the fuck? Mais c'est bon, on l'aime bien quand même. Elle a besoin de faire une pause heal là, mana. Enfin, une pause quoi, tout simplement. Là, on a fait à peu près un peu plus d'un tiers. Ah, wifi qui fonce. Genre, on me lit pas, mais qui s'y raconte. Ça va, il gère lui, non? Oh putain, wifi dans le truc. On est bon, on est bon. Putain, il va dedans. Il est allé dedans, littéralement. Zantu, tu es allé dans la OE. C'est-à-dire que t'étais dehors, c'est même pas que t'étais dedans à la base, alors c'est qu'on t'a tapé, c'est que t'étais dehors, t'es allé dedans. Ah c'est quand même chaud quoi. En Waza je trouve que tu rages beaucoup. Mais non mais c'est chaud quoi. Je rigole. J'ai posé de l'argent en guilde, on me dit oh nice. C'est trop gentil déjà. Oh putain, y'a un archer là-haut là. En embuscade. Et ouais, Zantu dans la haut. Ah non, il a esquivé, c'est bon. C'est bonne idée, Zantu a esquivé. Y'a Wifi qui tank. Ah merde, attends j'arrive. Voilà, attends, tu nous mets le... Oh putain, j'ai repris l'aggro de DPS. Oh, ok attends. Mais merde, j'ai aggro un autre mec. Ah non, tu vas pas me faire une Zantu quand même. Ah mais il était caché en hauteur, il était caché dans les fougères. Ah mais c'est bon, il est bugué en fait. En fait il peut pas se déplacer. Nice. C'est pas qu'il est bugué, c'est qu'il est codé comme ça lui. Ok d'accord. Si tu le dis. T'as codé le jeu toi du coup? Ouais. Je connais le jeu. L'argent. Celui que j'ai aggro là-haut, il est bugué. Allez Zantu, il fonce. Regarde les Zantu, il peur de rien. Bon allez, balancer une grosse boule de feu, boum. 500 de dégâts les amis. Je... Tu fais plus que 500 de dégâts toi? Moi je fais 1200. Ah, allez. Ouais mais ce que tu vois pas c'est les petits 50, 60, 70, 50, 70 qui tombent en même temps. Ah. Et ouais. Alors là il y a moyen de grab, il faut... Viens avec moi Zantu. Viens. Faut faire le tour par là. Attendez notre heal ouais. Ça va, il a non, pas mais le heal on s'en fout. On... Voilà. Non, on s'en fout pas du heal. Ça a un peu de respect pour ces gens qui cassent voilà, la tête à essayer de nous soigner malgré les erreurs que nous faisons. C'est pas mal. T'as déjà essayé d'être heal dans MMO? Hein? T'as déjà essayé d'être un heal dans MMO? Moi ce que j'aimais bien c'est être druide PVP. Genre pour être à la fois heal, tank et DPS. Et celui le seul moment que j'ai joué c'est WoW donc. Oui voilà, oui.
Voilà, ouais, moi le seul heal, la seule fois où j'ai joué heal dans un MMO, c'était pareil, c'était Druid. Je crois qu'on joue un peu les mêmes genres de choses, de toute façon, j'ai l'impression. Et je jouais Druid, ouais. C'est sympa le Druid heal parce qu'il pouvait soigner plein de trucs en fait, même temps. Moi ce que je veux, c'est un gameplay nerveux, tu vois. Je m'en fous d'être tank ou quoi. Ouais, tout à fait. Un gameplay nerveux. Et le Druid il peut se former mage, et tout. Ouais. Mage, je sais que j'aime pas mage. Mage pour moi c'est pas assez nerveux, c'est trop. C'est nerveux, mais dans le sens. En fait, tout se joue sur. Il faut vraiment enchaîner à la perfection tes compétences en fonction de leur timing. Alors, lui, parfois, il y a des flèches qui vont tomber du ciel, donc. Bon, les entuis, il va se les prendre dans la gueule, mais si tu peux esquiver, ça peut être sympa. Ça marche. Voilà, donc ça. Donc là, c'est pour ça. Alors, celui qui a l'aggro, en fait, il faut qu'il se mette dos. Là, c'est Wifi qui se l'est pris, la flèche. Ah, j'ai failli me la prendre. Je suis obligé de bouger parce que je sais pas si ça me touche ou me touche pas. Non, mais. Ah, mais c'est moi qui ai l'aggro, c'est pour ça. Paf, 200, 300 de thunes, mec. Oh, mec. Thunes. Ah, mais y'a du loot. Pyromancien, c'est quoi ça? Oh. Centurionnes. Putain, en plus, il a du truc. Ah, ouais. Je peux augmenter Pyromancien, t'es loin. T3 de tissu. T3 de tissu, il a chopé. Récompense de niveau 10. Ah, d'accord, carrément. Mec, tu sais que les compétences maintenant elles ont un palier, qui va jusqu'à 100. Ouais, t'inquiète. Moi j'en ai débloqué, ouais, j'ai débloqué plein de compétences. Ah, moi je mets pas de, points là-dedans, je les garde pour l'instant. On ne sait jamais. Non, je savais pas moi qu'il y avait des paliers jusqu'à 100. Oh puis Walking Dead. Tentative de musique de générique de Walking Dead. Tu regardes toi Walking Dead? Bah j'ai arrêté à la dernière saison là. Avec Negan qui commence à foutre des coups de pression, du coup je connais pas la suite. Et là c'est le moment où tout le monde va spoil dans le chat, je peux plus regarder pendant 30 minutes ce qui va se passer. Nice, je l'aggro un petit peu. Faites gaffe, il a une AO lui. Oh shit. Au moment où je me gratte quoi. Au moment que je me gratte. On va plus attendre que je finisse de me gratter. Salut Spip38. Spip. Le mec qui s'appelle Spip. C'est quoi ça là? Oh shit, je suis en train de passer en mode PVP. Pas cliquer sur ce bouton. Mauvaise idée. J'ai trouvé le bouton pour passer en PVP. Ah oui, il est où? C'est l'espèce de petit bouclier à droite de ton pseudo. Ah voilà, ah oui, tant pis, je me le prends celui-là. Ah mais grosse ambiance. Ah mais oui, mais j'étais en train de lire le chat et tout. Tiens, il y a des glaces sous moi là, ouais, je ralentis. L'argent, l'argent. Prends l'argent, Free. C'est pris. Yes. C'est pris. En fait, c'est hyper rentable du coup parce que chaque fois il y a des taxes. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Il y a des taxes pour la guilde. Mais les taxes c'est pas du bonus hein, c'est juste une partie de la somme qui est redistribuée à la guilde. Mais ce que je veux dire c'est qu'on est 3 dans l'instance à avoir, à du coup faire les taxes. Je joue aussi lentement, je comprends pas, du coup je peux pas esquiver les... Oh. Les AOE. Moi je fais un peu nain depuis tout à l'heure, j'aggro dès que je vois un truc. Je t'avoue c'est pas ouf, on va faire une petite pause là. Moi je fais une pause mana. Argent... Argent... Que fait Léopold? En train de jouer Albion, mec. Mana, mana, mana. Tu te souviens dans WoW, quand pour gagner ton mana et ta vie, bah, il fallait manger. Fallait boire. Fallait boire et manger. Genre pendant 30 secondes, tout le monde s'asseyait par terre et mangeait. C'était la pause, mec. Au milieu d'un donjon. Mais en vrai, c'est intéressant comme système parce que t'as besoin de reprendre un peu de. On va dire, quand tout s'enchaîne aussi vite, tu vois, tu fais des erreurs à force. Oh, il s'est fait défoncer Wifi, mec. Dépêche les ZAD. Oui, des idées de génie. Ah putain, on a aggro un. Non, c'est pas trop grave. Ah si, c'est un DPI, c'est grave. Je te le laisse. Ouais, je vais dépêche. Parce qu'en vrai, le scorpion il peut pas bouger donc on peut. Ouais, mais je fais le scorpion. Hein. Je fais le scorpion, Il attire le heal et tout, s'il peut être plus chiant. On a perdu Wifi en plus. Allez, oh putain. Genre, il m'a touché. J'étais pas dedans quoi. Nice. C'est un peu ridicule hein, j'étais absolument pas dans la OE. Enfin comment dire, la zone de la OE sous moi n'était pas de sur moi. Du coup je reste à côté et là je vois que ma vie descend. Nice. Oh l'argent. Bon, on a eu chaud hein. Parfait. On a eu chaud. Nice. Parlez, il y a des pistes là-bas. Il y a Wifi qui va parler dans le chat et se plaindre. Vous êtes prêts psychologiquement à subir ça? Ah, il a rien dit. Il a arrêté de bouger, je me suis dit il va parler. Nice.
J'ai besoin de soins. Ah, oh, t'es juste midlife. Ah ouais, c'est moi qui tank en plus, te plains pas. Ouais. Je garde l'aggro. Ah merde, y'a l'archer. Ah, oh, fais chier, y'a notre healer, il se fait attaquer par l'archer quoi. Ouais, ouais, je suis en train de le défendre, c'est bon, j'ai pris l'aggro, c'est bon. Non, je la reprends. Allez, j'ai voulu vite tuer. Laisse-moi reprendre. Ah là là, il me laisse pas reprendre. C'est juste trop de dégâts. I need healing. Dégâts, t'sais pas qui je suis. De l'argent. Oh mec, y'a plein de doutes là. Ah, mais y'a Zantu qui est parti. Oh, c'est pas ma guerre. Oh, Zantu dans la OE. C'est bon, c'est validé. J'ai peut-être laissé tomber des loots sans faire exprès derrière moi. Est-ce qu'il y a un abonnement? Non, le jeu est payant une fois et ensuite vous n'avez rien à acheter. Il y a un mec qui dit ah, il y a mon père qui est passé, il m'a vu, il t'a vu jouer ou m'a vu jouer, je sais pas, parce que du coup il a le compte, ouais. Il a Playworld. Et il veut le jeu maintenant. Ah ouais? Il a dû reconnaître une sorte de Diablo-like. Bah, tu sais, tout ce qui est Diablo, c'est vraiment de l'époque de nos ancêtres, hein, finalement. Oh putain, il peut tirer jusqu'à super loin, Wi-Fi. Moi j'y ai beaucoup joué à Diablo, mais à Diablo 2 notamment, parce que le 1 c'était pas de mon époque. Mais en soi, j'étais jeune quand j'y jouais à Diablo. C'était pas vraiment un jeu de mon âge, quoi. Et je tank! Que fait la police? Qui t'a mis derrière l'ordi? C'est ça la vraie question. Ah bah, c'est mon père. Hein. Ah ouais? Ah bah oui. Putain, le daron au calme. Bah, après. Le père, mec, il était devant le trône, mais il me dit coupe. Je peux pas trop dire pourquoi, mais il y a des raisons, à ça. Mais je peux pas trop en parler. Enfin, je peux en parler à toi, mais je peux pas en parler en stream. Oui, je vois ce que tu as. Boule de feuille. Ouais, mon daron, moi, il m'était devant le jardin, devant un truc. Ouais. Genre. T'es en mode. Ah! Léopold! Oh, arrête avec fils. Tes écrans! Tu vas devenir aveugle! Ah non, mais j'en avais même pas! Genre, c'était même pas que j'en ah d'accord. Ah non, mais moi, je m'amusais avec des cailloux, moi. Oh putain, non, mais des Lego, des Kaplas au moins, rassure-moi. Oui, non, des Kaplas. Ah bon, ça me rassure. Je t'ai un truc des Kaplas, moi. Ah, les Kaplas, mon gars. Mais le meilleur moment, c'est quand tu détruis ce que t'as construit. Même, tu sais ce qu'on a chez mon père? On a un panneau avec écrit le record de la tour de Kapla. C'est le record de hauteur. Et moi je disais ça en rigolant. Je l'ai fait il y a un ou deux ans, je suis monté à 4m50 dans la maison. Ah putain, je disais ça en rigolant, le mec il me dit qu'il. Tu sais que j'avais deux échelles pour monter et poser mes Kaplas quoi. Ça reste beau, mec. Mais oui, je suis trop chaud, gros. J'ai tellement visé juste. Les Kaplas, bah d'accord. Mais mec, mais moi je suis un roi des Kaplas. En tout cas, je suis mon père. Roi des Kaplas au calme. Ouais, parce que champion du monde de Kapla, je sais pas si tu gagnes. Bah écoute, si jamais ma carrière de streamer marche pas, je vais faire. Tu sais ce que j'ai fait moi quand j'étais plus jeune? Quoi? De l'échec, des échecs. Mais j'étais pas très bon parce que j'y jouais pas beaucoup. Ouais, des échecs, ouais. Pas mal. Tu sais, c'est considéré comme un sport en plus. Ouais, c'est un truc bien de télé, ouais. Oh putain, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors oh ça. Tu sais quoi? En fait, ça monte ma compétence de robe finalement, j'ai rien dit. D'accord, ok, cool. C'est pour être T3 finalement. Bah, en fait, quand tu me l'as dit, je pensais que tu m'as dit c'est pas vrai donc je t'ai cru, mais. Non, pas besoin d'être T4 pour monter la compétence. Ils sont tellement cher. Ok, nice. Finalement, c'est juste que je fais moins de dégâts le fait de pas être T4. Ah non, mais putain, c'est aggro quoi. Non, mais c'était magnifique, mec. Magnifique, c'est bon. Oh, Vivi, paf. Voilà, il snipe et il se prend tout dans la figure, hein. Bonne chance, hein. Moi je régène mon mana. Ouais, alors, moi j'attendais la fin du combat pour le faire. Mais le jeu est disponible. Allez, ça va le faire. Bah, en fait, moi je faisais des échecs. Mais je jouais en fait chaque coup au hasard. Et du coup, des fois ça marchait. Et une fois j'ai battu mon pote qui est genre vachement bon. C'était peut-être l'un des meilleurs échecs. Mais tu s'est fait défoncer. Je l'ai battu juste parce que je jouais au hasard. Et que du coup, bah, il savait pas trop ce que j'allais jouer à chaque fois. Donc ça lui a peut-être pris la tête, il a commencé à jouer n'importe quoi et j'ai gagné. Voilà. C'est une bonne façon de... C'est un petit peu à la... Vous savez, Tortue Génial, là, quand il fait la technique du bourré dans le tournoi de Dragon Ball, c'est pareil. Vous faites n'importe quoi, et en fait, vous gagnez, quoi. Sauf qu'en fait, c'est pas Tortue Génial, c'est Jackie Chan. Je veux pas trop vous spoil, donc... Oh, y'a le méga mob, attends. Oh, sur les côtés, ou quoi. Attends, mais oui, on fait sur les côtés. J'ai failli foncer... Ah. Bah non. Oh putain, alors là ça va être concept, mec. Là c'est AOE lente, s'il vous plaît. J'ai pas d'AOE. Enfin, j'ai, mais je l'ai pas équipé. Oh attends, je vais aggro d'autres personnes. Vas-y, je fais. Allez, je fous la merde. Et moi je ramasse l'argent. Je fous la merde. C'est parti, je fous la merde. Les amis, c'est ce moment que vous attendez tous.
Je fous la merde. Mais Waza, qu'est-ce que tu fous? Ah, t'as vu qu'ils vont tellement lentement que tu peux les tuer avant qu'ils arrivent. Oh, je me fais def. Oh, nice. C'est une pluie d'argent à ramasser. Ouais, j'avoue, mec. Yo. C'est le boss, ça? Ouais, c'est le boss. Fais gaffe, hein. Il est vilain. Nous y sommes enfin. Nous nous rencontrons enfin. Comment il s'appelle? Necro seigneur maudit. Vétéran. C'est le necro boss, mec. Mec, il est tellement balèze qu'il a même pas de nom. Il s'appelle necro. Allez, vous êtes prêts? Ouais, moi je suis prêt. Hein. Hop, j'ai pas tout mon mana. Go. Oh. Je tank, t'es prêt? C'est parti, je tank. Il va venir vers moi, tu vois. Oh! Oh, meurt Vifi! Oh, il meurt tellement! Tout ça parce qu'il est pas de la guilde. Tu es raciste. Ça y est, je tank. T'as vu comme je souffre? Ah, si. T'as vu comme je souffre? Ah! Tank! Je t'avais prévenu. Midlife. Ah, mais je tank toujours là. Je souffre. Mais putain, mais drop là, arrête d'attaquer! Ah! Bah, Waza, tu tanks comme une merde! Mais c'est pas moi! Tu m'as laissé crever! Ah, c'est Waza, tu sais pas tanker ah, ou quoi? Je pas le loot, yes. Dis pas ça, c'est pas vrai. Voilà. J'ai fait exprès de mourir parce que je savais que vous alliez vous en sortir. Attends, non, l'argent il est là. Plus 1400, nice. Oh, ah là là, Zenturiones, tu me déçois. Hein. Tu me déçois. Au final, c'est qui tank? Bah, c'est moi. Voilà. Bravo. Tout ça est à cause de toi. Bah, tu me rembourses. Et mec, tu me rembourses mon stuff à réparer. Rien à faire. Et voilà. J'ai... Pièce d'argent gagnée, 6000. Ouais. Ah, j'ai gagné des carottes. Il avait des carottes, le nécromancien, sur lui. Oh, Zenturiones, tu te barres pas comme ça, mec. Tu me rembourses. Le commerce est interdit ici. Oh là là, j'y crois pas. Oula. J'y crois pas. Il est où là que je lui tire les oreilles un peu? Ouais, ça, c'est la capitale, on peut pas voir où il est. Alors, moi j'ai juste regardé où j'en suis dans mes armures. Elles sont toutes niveau 5 pour l'instant. Ah, j'attends mon niveau 10 avec impatience. Du coup, j'ai du coton, mais j'ai pas du coton 3. Combien ça se coûte? Ça coûte le lin? Je sais pas. Pourquoi y a pas cette partie de la ville qui est ouverte? Ça m'énerve. C'est vrai, c'est bizarre. Le lin coûte 12. Et il m'en faut combien? Ah, petit donge. Ah, il m'en faut pas beaucoup. J'ai combien de thunes du coup maintenant? 120 000, c'est pas mal. Oh, est-ce que j'ai investi dans de l'or? Ouais, acheter du lin, une cinquantaine de lin. Non, plutôt une centaine, je pense. Allez, on va en acheter 60, ça devrait suffire. Attends, j'ai mis créer de rachat, je me suis trompé. Acheter. 60. 27? Mais je me suis trompé de personnage, là. C'est à lui que je voulais acheter. 60. Mec, je viens d'acheter 1000 d'or. Voilà. Ah ouais? Ouais, on verra ce que tu fais des placements. Très bien. J'ai acheté 1000 d'or. Cet homme fait des placements économiques. Tu l'as acheté à 69 pièces d'argent, du coup? Ouais. Tant pis que j'ai acheté. Oh bah, au pire, tu perdras jamais d'argent. Hein. Oui, voilà. Au pire, tu en gagneras un petit peu, mais t'en perdras pas, quoi. C'est le tuc du 80. Bon, tu nous as saoulé avec ton T4, mais t'as besoin de quoi, là, du coup? T'as besoin de tissu pour ton T4? Je suis en train de le crafter, là. What the fuck, le mec? Non, mais... Est-ce que tu veux qu'on aille dans zone PVP ou pas? Attends, Carwears, il vient de me surcharger. Il m'a encore donné du tissu, j'en veux pas de son tissu, il m'a encore donné, là. J'en veux pas de ton tissu. Mec, je vais fabriquer tout le tissu avec, là. Ah là là. Et il me donne du tissu que j'en ai tellement que j'en veux même pas, que ça se vend 3 pièces d'argent, le tissu qu'il me donne, là. Au secours. Il me refile tout son stuff bidon, là.
Du coup, ouais, je veux bien aller en zone PVP, mais je termine mon plastron T4. Hein. Enfin, non, pas en zone. Ouais, mais pas en zone genre. Ah, tu veux vraiment aller en zone genre. Ah, je sais pas, moi je te suis, mais je termine mon plastron T4. Alors, attendez, juste. Je vais peut-être faire. Non, je peux rien faire de plus, ça. Ouais. Bon, allez, je t'attends et on va en zone. On va en zone PVP T5 en haut. Ok. C'est quoi, okay. Je vais y aller avant toi même. Non, attends-moi, franchement je suis bientôt prêt. Hein. Waza vous invite à rejoindre son groupe, accepté. Ouais, voilà, je suis presque prêt en vrai. Allez, vas-y, je t'attends. Attends, mais ils sont encore en train de me donner des choses là. Ils savent même pas de quoi j'ai besoin et ils veulent me donner des choses. Ils me donnent de l'argent le mec. Carrément quoi. Ok. What the fuck? Ça me perturbe beaucoup cette histoire. J'ai 4 carottes, hein. Et j'ai looté un saut royal d'adepte. Ok. Donc. J'essaie de faire un peu le point sur ce que j'ai sur moi. Putain, mais il va encore m'échanger des trucs, quoi. Qu'est-ce qui se passe encore maintenant? Ah mon dieu, il me donne 1 pièce d'argent. J'ai refusé. Faire du troc là, 56 tissus et il me faut des. Ah bah c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Je vais aller fabriquer du tissu T4. Je vais me prendre des taxes dessus, mais c'est pas les couilles. Du coup, on a pas le. Direct. Est-ce qu'on va farmer le grès ou est-ce qu'on va faire du PVP? Non, le grès c'est bon. Allez, on va faire. Ouais, faut pas farmer, le grès à farmer, mais il y a l'autre. Le travertin là, Bref, petite pause pub les amis, on se retrouve et j'aurai mon plastron T4, à tout de suite. Ouais.